Alforme, bonjour, j'espère que vous allez bien, toujours en forme. Chez Alforme, on est toujours en forme. Le déploiement distribué d'Actality Services, le déploiement distribué de l'AD. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un rappel sur les domaines et forêts. Bah oui, on ne sait jamais, peut-être que vous avez des lacunes sur des notions aussi simples que les domaines et les forêts, hein, mais c'est le but, hein. On verra aussi Windows Azure, quelque chose de très intéressant. Comment configurer un environnement complexe, les niveaux fonctionnels du domaine, les niveaux fonctionnels de la forêt, comment on peut faire un upgrade vers 2012 R2, ou comment migrer vers 2012 R2. Alors, déjà, on rappelle sur le domaine de la forêt. Qu'est-ce que c'est qu'un domaine? Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? C'est quoi une forêt? C'est quoi une relation d'approbation? Et c'est quoi un catalogue global? Alors là, je vais juste changer mon petit stylo pour vous faire une petite... Voilà, ça serait quand même mieux. Voilà, alors, c'est quoi un domaine? Alors, vous savez, souvent, on parle d'un domaine comme, évidemment, une unité logique. C'est quelque chose de logique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Ça veut dire que concrètement, comme moi je suis sur un PC, voilà, donc je suis sur un PC, et sur ce PC, ben, je mets quoi? Je mets mon login, voilà, je mets mon password, et en général, je mets le domaine. Alors, on n'est pas, alors, en général, vous mettez le domaine, ben, ça, je login. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous connecter à un domaine. Vous n'allez pas vous connecter sur un contrôleur de domaine. Non. D'abord, vous allez vous connecter sur un domaine. En fait, qu'est-ce qu'il va faire le poste? C'est qu'il va faire une requête DNS et il va demander enregistrement de type location, ce qu'on appelle les enregistrements SRV. Juste que je vous montre à quoi ça correspond, ces enregistrements SRV. Ok, je vais me connecter sur un de mes contrôleurs de domaine, donc le principal. Voilà. Et là, les enregistrements de type SRV que vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez, quand je fais une recherche, il va aller rechercher ici, dans l'enregistrement de service, ici, dans mes domaines contrôleurs, pour le site où je suis. Donc là, j'ai un seul site, évidemment, dans mon cas. Et là, il va rechercher, il va dire, donne-moi la liste de tous les contrôleurs de domaine. J'en ai qu'un seul. Mais si j'en avais plusieurs, j'aurais tous mes contrôleurs de domaine ici. Évidemment, j'aurais forcément une notion de site. Là, ils sont tous dans le même site. Donc, hein, le site par défaut, ici. Ben c'est le site où je suis, par exemple Alforme, je suis par exemple à Paris, ben ça veut dire que je suis dans un immeuble, et puis ben voilà le site par défaut. Donc il fait une requête, ça c'est un domaine. Donc un domaine va, donc le poste va se connecter au DNS et va faire une recherche et donne-moi tous les contrôleurs de domaine ici. Hein, donc là j'ai le son de domaine ici avec également d'autres informations, le CP avec évidemment le placement de service, LDAP, donc je connais l'information forcément de mon domaine ici. Donc ça veut dire quoi? Qu'un domaine, c'est un ensemble d'objets, ici vous voyez, tout ce qui est computer, tout ce qui est domaine contrôleur, qui vont se partager en fait compte un même système d'authentification. Alors on va revenir sur les slides que je vous explique ça. Quand mon DNS a fait une requête, évidemment, il va me trouver par exemple celui-ci, le DC1, et le DC1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner à mon poste ce qu'on appelle un token Kerberos. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme un passeport. C'est-à-dire que dans un passeport, vous avez votre photo et puis vous avez votre numéro, un numéro identique. On peut imaginer ça comme un numéro de sécu, hein, quelque chose qui est identique à chaque personne, hein, etc. Vous venez bien quand même. Non? Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand dans mon domaine, je vais accéder à un serveur Exchange, un serveur SQL, un file server, eh bien mon token va être présenté aux différents serveurs, et il va dire, ah ben c'est bon, ça a été authentifié par un domaine contrôleur, donc je peux accéder aux shares, je peux accéder à ma boîte aux lettres, je peux accéder à mon client Link, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Eh bien, un domaine, c'est quoi? C'est effectivement l'ensemble de ressources, et en haut, c'est ce qu'on appelle le root. Le root, c'est la racine. Donc ça veut dire que, concrètement, ça c'est un arbre. Et dans un arbre, il peut y avoir plusieurs branches. Ben voilà, et les branches, c'est les sous-domaines. Et puis ensuite, sur un sous-domaine, je peux avoir un autre sous-domaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ordinateur ici, imaginons, j'ai le domaine qui s'appelle alform.lab. Eh bien, si ici j'ai un ordinateur, le nom FQDN sera PC. Enfin, imaginons qu'ici, excusez-moi, c'est un sous-domaine qui s'appelle par exemple, on va dire dev. Donc l'ordinateur qui est ici va s'appeler PC.dev.alform.lab. Voilà. Donc ça veut dire que ça c'est des arbres.
Alors, c'est quoi une forêt? Ben, ça, c'est déjà une forêt. Bah ben oui, ça commence par une racine. Hein. Bon, c'est une petite forêt. Hein. J'aurais pas beaucoup d'endroits pour me cacher, mais bon. Et puis, je peux avoir, ici, par exemple, ben, je fais l'acquisition. Ceux qui ont vu le lab sur, que vous allez voir après, excusez-moi, sur les trusts, eh bien, vous allez voir que ben, on fait ça justement entre deux forêts. Donc, par exemple, là, j'ai une société qui s'appelle Software. Je vous encourage à voir lab juste après, parce qu'on va parler des approbations, ça tombe bien. Et puis, je peux connecter les deux ensemble. Et donc, tout ça fait une grande forêt. Voilà. Et puis, j'en ai plusieurs. Une relation d'approbation, c'est justement ce qu'il y a entre les deux forêts. Donc, par exemple, ici, je fais une relation d'approbation. Alors, on va changer de couleur ici. On va prendre couleur verte. Voilà. Donc, je fais une relation d'approbation. Et je vais dire que je vais approuver le domaine software.lab. Et le software.lab peut ou pas approuver mon domaine qui s'appelle alform.lab. Et une relation d'approbation, ce qu'on appelle un trust qui est fait entre les deux domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un savant ici, eh bien, et si j'ai un share, je vais pouvoir aller sur le share et donner des permissions. Et à qui? Ben, à des utilisateurs qui se trouvent, par exemple, dans Alform. Donc ainsi, si j'ai un utilisateur qui s'appelle Alform slash Fabrice, bonjour, c'est bien moi, eh bien, je peux lui donner l'autorisation d'aller en share. Ça, c'est une relation d'approbation. Maintenant, c'est quoi un catalogue global? Un catalogue global, c'est ce qui va permettre de rechercher. Alors, imaginons que justement que j'ai deux forêts, puisque le catalogue global est surtout intéressant quand vous avez des arbres et des forêts assez complexes. Eh bien, il faut savoir qu'ici, si par exemple, donc on va dire que ça c'est le domaine a.com, ça c'est le domaine b.com. Ici, j'ai un serveur de fichiers dans le b.com qui s'appelle par exemple, on va dire file serveur 1, serveur de fichiers.b.com. Et puis, moi ici, j'ai besoin de me connecter sur le serveur qui s'appelle file serveur 1.b.com, slash par exemple un share qui s'appelle document. Eh bien, le challenge, ça va être comment savoir, alors, dans une relation d'approbation, où se trouve justement l'information. Eh bien, ici, le DC qui se trouve dans ce domaine-là, il va y avoir ce qu'on appelle un catalogue global. Un catalogue global, il va référencier tous les objets de toute la forêt. Les objets qui se trouvent ici, ici, ici. Ainsi, il va savoir où se trouve et quel contrôleur de domaine au niveau pair il va falloir contacter pour ensuite aller là, pour ensuite ici, et lui-même ici, vu que je suis dans un sous-domaine ici, hein, bon là j'ai mis fs.group.com, mais là je peux avoir un domaine qui s'appelle c, dans ce cas-là ça sera forcément c.b.com, bon, c'est bien compliqué. Eh bien, un catalogue global ici qui va également référencer tous les objets ici. Donc il dira, ben non, le contrôleur de domaine est ici sur ce domaine-là. Donc le catalogue global est donc une partie de la base de données à Klettori, c'est ce qu'on appelle le PAS, hein, PAS en anglais, et bien dessus, il va y avoir les attributs de toute la forêt. Donc ça permet évidemment d'accélérer la recherche, on l'appelle le search, hein, la recherche d'attributs, et puis utiliser également pour des systèmes comme le catalogue, le groupe universel. Alors, Windows Azure, c'est quoi? Windows Azure, c'est la possibilité d'avoir sur le nuage quelque part un domaine contrôleur. On peut utiliser Windows Azure AD. Windows Azure AD, c'est un service que propose Microsoft Online. Hein. Alors, les produits Microsoft Online sont assez connus. Il y a par exemple Exchange Online. Il y a par exemple SharePoint Online. SharePoint Online. Il y a également Link Online. Alors, ça veut dire quoi Online? Ça veut dire que Microsoft va s'occuper justement de gérer pour vous tous ces services-là. Donc, vous payez. Alors, ce qui est très connu, c'est l'offre. Alors, je vous mets une petite couleur différente. C'est l'offre, par exemple, Office 365. Office365.com, c'est une offre justement sur le cloud. Donc ça veut dire que vous allez avoir des serveurs sur le cloud, et puis vous, de votre PC, vous allez pouvoir vous connecter sur le cloud et bénéficier des services qui sont supportés par Microsoft. Donc s'il y a un problème, je tape sur qui? Chez Microsoft. Donc j'ai des contrats avec des SLA. Des SLA, c'est des agréments qui me disent bah, que mon système doit tourner par exemple de 8h le matin jusqu'à 18h. En dehors de ces horaires-là, bah, il peut y avoir des problèmes. Ça, il faut que je le sache. Ou alors je peux installer évidemment un DC dans une machine virtuelle. Et c'est ce qu'on appelle Windows Azure. Et bien là, justement, j'ai un exemple. Comment installer sur Windows Azure, justement, une machine virtuelle? Donc il suffit que j'ai une machine virtuelle, je crée ma machine virtuelle et je peux créer toutes mes machines virtuelles, savoir si elles sont en route, où elles sont basées. Et ainsi, Windows Azure, c'est simplement comme si vous vous connectiez à un vSphere ou à un Hyper-V qui est stocké chez Microsoft. Sauf que ce n'est pas vos serveurs, puisque les serveurs sont évidemment entièrement managés par Microsoft. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement pratique. Alors, évidemment,
Quand on parle de forêt, il va falloir configurer la NES dans un environnement complexe d'une façon bien vérifiée. Ça va être complexe, donc il faut vérifier déjà la configuration de nos clients. Il est évident que si un client, j'ai un domaine ici et puis un autre domaine ici, donc j'ai deux forêts ici connectées, si mon client fait un ping d'un serveur SRV qui se trouve dans le domaine A.com et un autre dans le domaine B.com, si je fais un ping de A.com, il faut évidemment un DNS ici qui puisse résoudre. Et puis si d'un coup je fais un ping de SRVB.B.com, c'est un autre nom, eh bien ça veut dire que moi, au niveau DNS, sur mon client, j'aurais configuré le DNS de ce serveur-là, et il faut que ce serveur-là puisse ensuite se connecter à notre serveur DNS. Et dans ce cas-là, on utilise par exemple des stub zones ou des conditionnels forward zones, des zones confidentielles, conditionnelles, où je dis où se trouve le DNS de l'autre. Il faut surveiller évidemment le DNS, voir s'il n'y a pas de problème, utiliser des zones intégrées à l'Arctetory, et puis pourquoi pas des global zones pour Linux. Pour Azure, évidemment, il y a tout un système de DNS qu'il faudra mettre en place pour que vos ordinateurs puissent connecter à distance sur les serveurs DNS de Microsoft. Alors, les niveaux fonctionnels du domaine. À chaque mise à jour de la version, évidemment, il va falloir, donc on demande évidemment de mettre à jour le niveau fonctionnel du domaine. C'est-à-dire que si vous avez des pods sur ces serveurs, des domaines contrôleurs sur 2008 R2, eh bien, vous allez peut-être les migrer vers un nouveau DC qui s'appelle 2012 R2. Quand vous allez migrer, en fait, compte ces DC vers 2012 R2, vous serez toujours, en fait, compte en 2008 R2 au niveau de la version. Donc, il va falloir passer en 2012 R2, mais vous pouvez le faire que si tous vos DC sont été migrés vers 2012 R2. Si j'ai encore ici un DC avec du 2008 R2, c'est pas possible. Il faudra le décommissionner, l'enlever, et puis une fois que tous vos DC sont en 2012 R2, vous pouvez monter. Comprendre qu'à chaque niveau correspond des nouvelles fonctionnalités ou améliorations. Alors, on va voir ça directement sur Internet. Ici, vous avez un petit produit chez TechNet, un petit article qui explique justement les niveaux fonctionnels de la forêt. Alors, au début, il y avait Windows 2000 avec, donc quand vous installiez des serveurs avec 2000, vous pouviez avoir les fonctionnalités suivantes. Par exemple, l'activation des groupes universels, l'abrégation des groupes dans un groupe, donc un groupe pouvait être membre d'un groupe, et oui. Eh bien, avant NT, on ne pouvait pas faire ça. Voilà. Et puis le seed history. Seed history, c'est quelque chose qui permet, quand vous migrez d'un domaine à un nouveau domaine, que vous puissiez toujours accéder aux ressources de l'ancien domaine. Question de site, on le verra après dans la partie migration. Et puis, 2003 est arrivé. Donc, vous avez migré vos serveurs 2000 vers 2003. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir un super outil NetDOM qui permet de changer les contrats de domaine. Savoir quand est-ce que les personnes se sont connectées la dernière fois. Enfin, c'est possible. Aussi, délégation de contraintes, donc avec les informations. Et puis, prise en charge de notifications sélectives. Ça veut dire que quand vous avez deux domaines, eh bien, quand vous faites une approbation entre ces deux domaines, donc deux forêts, on peut choisir d'une façon sélective quelles ressources seront disponibles par l'utilisateur de l'autre domaine. Ensuite, Windows 2008 est arrivé, il y avait des nouveaux fonctionnalités de domaine, il y avait par exemple la réplication de Syswall non plus avec FRS mais DFSR, la prise en charge d'AES Advanced Encryption Services, information sur la dernière version de session interactive, et puis les stratégies de mots de passe affinées. Ça, j'adore ça. Ça permet de pouvoir dire que vous voulez avoir des mots de passe différents du GPO, c'est-à-dire la stratégie que vous avez créée. Juste que je vous montre de quoi il s'agit. Je suis sur mon DC et vous savez très bien que quand vous mettez en place un domaine, vous savez des stratégies de mots de passe qui sont créées. Et si, quand je vais dans gestionnaire de stratégie de groupe, vous savez, et c'est propre à chaque domaine, si j'ai A.com, si j'en suis un sous-domaine de A.com, il va hériter de la stratégie par défaut, mais je peux le changer évidemment. Ici, j'ai un domaine qui s'appelle Alform.lab. Si je vais sur ma GPO Default Domain Policies, eh bien, j'ai un certain nombre de settings qui sont des paramètres, mais si je vais dans Modifier, eh bien, je vais voir qu'il y a une stratégie qui est créée par défaut, qui est là, dans Paramètres Windows, ensuite j'ai les stratégies des mots de passe, donc paramètres de sécurité ici, et ici j'ai stratégie de compte,
Et ici, j'ai ma stratégie de mot de passe. Ma stratégie de mot de passe, ici, ben voilà, les mots de passe qui sont pour le domaine. Donc, je ne peux pas changer ça. C'est pas possible pour une OU particulière. Donc ici, ce mot de passe-là, ben, c'est changé. Je ne peux pas, à un moment donné, créer une OU. Et sur une OU, dire que, par exemple, sur une OU, on va dire, on va créer une unité d'organisation, une unité d'organisation, qui s'appelle, par exemple, dev. Voilà, les développeurs. Hop là, je pense que c'est oui, dev. Donc, dev, par exemple. Alors, pourquoi il met accès refusé? Je dois pas être connecté avec le bon compte ou pas? Ben, si, je peux, hein. Voilà, on va faire alpha, on va créer une organisation, on va l'appeler marketing par exemple. Voilà. Eh bien, je ne peux pas dire que le marketing peut avoir des mots de passe différents. Sauf que, grâce à 2008R2, vous avez quelque chose qui est absolument génial. Dans l'ensemble de l'administration de Clétory, je vais pouvoir changer, justement, la stratégie mot de passe au sein d'un domaine pour des groupes ou des users. Ah, enfin, c'est arrivé ça. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. J'étais forcé de créer un nouveau domaine, un domaine enfant. Et là, dans le domaine enfant, je pouvais changer ma stratégie. Eh bien, regardez bien, c'est parti, ma kiki. Je vais ici dans mon local, et je vais aller dans système ici. Et dans système, regardez ce que j'ai. Il y en a qui vont dire, waouh, génial, password setting container. Là, je peux faire un nouveau paramètre de mot de passe, en disant, ben, cette fois-ci, pour le département marketing, ici, priorité 1 si j'en ai plusieurs, je peux définir une longueur de mot de passe différent de suite de domaine, par exemple 10. Par exemple, le mot de passe doit être changé tous les 30 jours, ici. Et je peux dire à qui ça s'applique. Je fais ajouter. Et là, je vais pouvoir choisir des utilisateurs ou des groupes, pas des OU. Hein. Donc, je vais pouvoir choisir, eh bien, pour un utilisateur particulier, par exemple Olivier, eh bien, lui, il va avoir une stratégie différente. Ouh là là, ça, c'est vraiment top, top, top. Ça, c'est très intéressant. Eh bien, ça, c'était une nouveauté. Donc, ça veut dire que si moi, j'arrive dans une société, je dis, bah oui, migrez vos serveurs à du R2, on va me dire, mais pourquoi? Ben, regardez, vous pouvez faire ça. Et là, ils vont vous dire, Eureka, je vous aime, c'est ce qu'on cherchait. Ça, c'est possible uniquement si votre domaine, évidemment, a été passé dans un niveau fonctionnel qui correspond. Donc là, pas de souci, puisque dans mon cas, je suis au niveau fonctionnel, là, voyons bien, changementé de 2012 R2, donc j'ai toutes les possibilités qui me sont offertes. Pareil, pour modifier le niveau de la forêt, c'est dans le domaine approbation. Et là, j'ai augmenté le niveau fonctionnel du domaine, ici, et voilà, du domaine. Et puis, je peux faire la même chose au niveau site service pour la forêt. Voilà, quand 2 minutes est arrivé, eh bien, il m'a proposé, évidemment, d'autres nouveautés, comme tout ce qui est Federation Services, des informations en plus, voilà. Maintenant, au niveau de la forêt, alors, 2012R2 n'apporte aucune grande modification. Hein. En tout cas, ici, je pouvais maintenant, quand je passais sous 2003, changer le nom du domaine. Alors là, franchement, pour le faire, hein, gérer tout ce qui est RODC, je pouvais, en 2012R2, qu'est-ce que j'avais? La corbeille réseau qui permet de pouvoir supprimer des objets et les restaurer, que je vous montre ça. Toujours pareil, je vais aller dans ma super console ici, et qu'est-ce que j'ai à votre avis sur Alform ici? J'ai activé la corbeille. Si je fais OK, j'active la corbeille, et que je sors de cet outil-là et que je reviens dessus, dans mon centre d'administration de Clétory, eh bien oui, vous avez bien raison, vous l'avez bien entendu. Quand je vais, par exemple, supprimer, on va dire, users, je vais aller ici plutôt, c'est plus simple, form, je fais un users, et si je supprime un utilisateur, voilà, on va supprimer, quel utilisateur on va supprimer, attendez, j'ai mis ça où, on va mettre ça, on va se mettre ici, Je vais chercher si je tape Olivier par exemple. Non, je n'ai pas ici. C'est pas grave. Oui, j'essaie de supprimer quelque chose. Je vois pas ce que je peux supprimer. Voilà. Je vais par exemple prendre tous ces objets ici. Alors, hop là. Voilà. Et je vais faire une grosse erreur. Je vais les supprimer.
Pas de problème, car dans Deleted Objects, les éléments, je vais pouvoir les restaurer. Les restaurer où? Eh bien, je vais pouvoir les restaurer soit sur une UI particulière, ou alors je restaure là où ils étaient avant. Et voilà. Et là, automatiquement, évidemment, il m'a récupéré les objets que j'ai supprimés. Je vais juste faire un F5 pour rafraîchir. On va attendre juste un petit peu avant que ça arrive. J'ai bien supprimé ça. Ah non, c'était dans People Manager. Ah oui, c'était là-dedans. Et voilà, ils sont là à nouveau. J'adore ça. Ça, c'était possible uniquement si votre forêt était en 2008 R2. Et puis 2012 R2, il n'y a aucun changement particulier. Ok, revenons-en à notre niveau fonctionnel. De la forêt, eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire que pour ça, on va dans domaine approbation et on peut modifier la forêt. Alors, on va vraiment au niveau le plus haut. Hein. Et puis là, niveau fonctionnel de la forêt, évidemment, le même principe. Donc, on a vu dans 2008 R2, ça activait la corbeille réseau, donc c'est quelque chose de pratique. Maintenant, comment fait-on pour upgrader vers 2012 R2? Alors, il y a plusieurs approches. Déjà, l'upgrade, je recommande pas. On recommande pas, c'est quoi? Alors, ça peut être pratique. Vous avez un DC sous 2008 R2. Si vous aviez quelque chose sous 2003, il faut d'abord l'upgrader vers 2008 R2. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, ça veut dire que vous mettez l'ISO de 2012 R2, et puis vous lancez l'install, et puis vous allez vous retrouver, non plus avec 2008 R2, mais avec un serveur 2012 R2. Ça, franchement, pas terrible. La meilleure approche, c'est installer un nouveau serveur 2012 R2. Comment ça se passe? J'ai un domaine. Dans mon domaine, on va changer de couleur. La couleur, c'est la vie, évidemment. Donc là, j'ai un DC qui est sous 2008 R2. Et puis, je décide de passer sur 2012 R2. Qu'est-ce que je fais? J'installe un serveur avec 2012 R2. Je le joins au domaine, donc ça veut dire qu'il va être joué au domaine, comme un serveur traditionnel. Et puis, je vais aller sur mon DC ici. Je vais mapper sur ce DC 2012 R2, l'ISO de 2012 R2. Je vais dans un rapporteur qui s'appelle support. Et là, je vais préparer le schéma pour pouvoir accueillir ce nouveau DC. Et là, il y a un programme qui s'appelle ADPREP. Et là, je prépare la forêt en faisant un forest prep. Forest. C'est pas forest gun. Hein. Et puis, je fais la même chose. Et là, je tape domaine prep. Ainsi, maintenant, je vais pouvoir aller sur ce serveur-là, installer le rôle Actitory Directory Services et promouvoir ce serveur en tant que nouveau DC. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, l'Actitory plus le DNS vont être répliqués vers ce nouveau serveur. Donc ça veut dire que je vais avoir le même niveau ici que ce que je fais ensuite. Eh bien, sur ce serveur-là, il va falloir que je transfère les rôles FSMO. Les rôles FSMO, c'est un certain nombre de rôles qui va supporter toute la fondation de l'architecture des services réseau Windows 2012 R2. Je vais les envoyer, enfin, les déplacer plutôt sur ce serveur. Donc, je vais sur ce serveur-là et je vais récupérer les rôles. Il y a plusieurs rôles FSMO, juste que je vous les montre. Là, ici, je vais aller ouvrir une commande PowerShell et je vais lancer un netdom query FSMO. Netdom qui est très pratique, hein, ça permet même d'insérer un ordinateur de mail à distance, par exemple, et de faire un restart sans aller même sur l'ordinateur. Hein. Donc Netdom, c'est vraiment un outil que vous utilisez très souvent lors de vos différentes missions dans vos sociétés. Et puis, pareil au niveau de l'assertif, vous aurez quelques questions par rapport à Netdom. Et là, vous avez les rôles FSMO. Il y a plusieurs rôles FSMO. Il y a le contrôleur de schéma, le maître des noms de domaine, contrôleur. Eh bien, actuellement, lui, il a tous les rôles. Donc ça veut dire qu'évidemment, le but, c'est installer plusieurs DC pour transférer les rôles. Il faut savoir que dans une forêt, il y a deux rôles que vous trouverez dans toute la forêt, c'est maître des noms de domaine. Le contrôleur de schéma, lui, il va supporter de modifier le schéma. S'il tombe en panne, pas de schéma. Bon, il ne va pas modifier le schéma tous les jours. Le maître des noms de domaine, c'est celui qui va vous autoriser à installer des sous-domaines, les domaines enfants,
de supprimer les domaines. Donc si ce rôle-là tombe, c'est pas trop grave, tant que vous n'ajoutez pas de nouveaux domaines ou de nouveaux contrôleurs de domaines. Le contrôleur domaine principal, le CPD, il va l'utiliser pour la gestion des temps, NTP, ça veut dire que celui qui est CPD, si j'avais le DC2 par exemple, eh bien tous les postes connecteraient dessus pour synchroniser leur time. Le gestionnaire de poulerie, lui, c'est une usine à seed. Eh ouais, il y a une usine pour tout aujourd'hui, hein. Il s'appelle le seed factory. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, quand un contrôleur domaine va créer des comptes, des utilisateurs, des groupes, des computers, il aura 500 seeds. Il recevra 500 seeds. Et puis, quand il aura tout fini, eh bien, on va lui redonner 500 seeds. Grâce à ça, il va créer des seeds. Les maîtres d'infrastructure, lui, il va vérifier que les groupes sont bien référents des groupes, que les utilisateurs sont dans les bons groupes, donc il n'y a pas de souci. C'est ce type-là qui vaut mieux pas mettre en même temps qu'un catalogue global parce que les deux ne font pas amis. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour transférer les refs SMO, imaginez que je suis sur mon serveur 2012, donc le nouveau serveur 2012 ici, les rôles sont toujours sur l'ancien, donc oubliez que je suis sur le DC, eh bien, je vais ici sur les formes, je vais dans maître d'opération. Je le mets sur le nouveau DC, par exemple DC2, je fais modifier, bon là, il est déjà le cas, et il va transférer les rôles read, CDP, infrastructure. Pour les autres, eh bien, j'ai le domaine d'approbation, et pareil ici, je peux, ici, dans le domaine d'approbation, maître d'opération, et déplacer maître d'opération. Et pour le schéma, c'est le même principe, hein, je fais la même chose. Donc là, je déplace les rôles, et automatiquement, je vais les déplacer, n'oublie pas de le faire avant de décommissionner, vous savez, avant 2008 R2. Voilà. Deuxième approche, restructurer la forêt dans une nouvelle forêt et déplacer les comptes avec ADMT. Voilà. On parle de restructuration quand je vais créer un nouveau domaine. Par exemple, j'ai un domaine qui s'appelle je change de couleur. Voilà, j'ai un domaine qui s'appelle par exemple Alform Lab. Et puis ils vont s'appeler, je sais pas, par exemple, Learning. Amit va changer le nom de sa société, je rigole, hein, c'est juste un exemple. Parce qu'il va me dire, ah ben alors, je suis pas encore ref, elle dira à personne. Non, c'est faux, hein. Ça reste à la forme. Hein. Donc là, comment ça se passe? Je fais une relation d'approbation. Et puis ce que je vais faire, c'est que tous les comptes que j'avais là, je vais les migrer grâce à ADMT. ADMT est un outil qui permet de migrer mes comptes et qui va garder le seed history. C'est quoi? Imaginons ici que j'ai un serveur. Ok. Et puis là, il y a un utilisateur qui s'appelle Amit. Amit, je vais le déplacer dans l'autre domaine. Ok, donc Amit va être là. Quand vous allez déplacer, le nouveau contrôleur va donner un seed, un nouveau seed. Le problème, c'est que si Amit veut, pendant la migration, continuer à utiliser un share qui se trouve sur un file server, ici par exemple, un partage, il ne pourra pas. Ben oui, parce que dans l'ancien domaine, il y a l'ancien seed. C'est pour ça, quand on migre, on garde non seulement un nouveau seed, mais en plus, on aura le seed historique. Qui est le site de l'ancien domaine. Et ben voilà, c'est ça, tout simplement. Bon, on a vu des choses hein, dans ce module-là. Très intéressant, passionnant. Rappel sur les domaines et forêts, Windows Azure, DNS dans un environnement complexe, les niveaux fonctionnels du domaine, de la forêt, upgrade vers 2012 R2 et migrer vers 2012. Voilà, merci à tous, ciao ciao.